poto, comment va? C'est pour voir là, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai roulé sur le fil, putain, t'as fait chier. Qui va se passer sur un jeu que j'ai oublié de lancer? Merde. C'est pas ça les lancements en ce moment. Je me dis ça s'il n'y a pas de son dans... Voilà, et c'est aussi pour ça que vous m'entendiez mal. J'ai encore du mal avec tous les nouveaux aménagements que je suis en train de faire là. Vous voyez, là je suis en train de mettre un micro, là j'ai mis une caméra, là il y a un PC, wouhou! Eh, y a un truc de ouf tout ça! On se retrouve sur Shaya la Beouf, même Master Dating Simulator! Fais voir quelqu'un, il y a écrit mais j'arriverai pas à le lire. En gros, c'est un jeu, j'y ai joué 2 minutes pour essayer. C'est un jeu où nous allons rencontrer Shaya le Beouf et nous allons devoir devenir amis avec lui. Il y a plusieurs fins possibles, j'en ai vu 2 je crois. Et... on va commencer la journée. Tu approches nerveusement du school campus. Vous approchez nerveusement de l'école. Vous savez qu'aujourd'hui c'est le day, c'est le jour du transfert d'un nouvel étudiant. Et son nom est Hollywood Superstar Shaya the Beouf. Voilà, le mec est à peine modeste. Ah bah tiens Shaya. Oh Shaya, salut. Je suis nouveau ici. Est-ce que tu peux m'aider à trouver my way around? Est-ce que tu peux m'aider à trouver mon chemin? Of course, bien sûr. My name is Powerline 342. Oh, c'est un super nom. Mon nom est Hollywood Superstar Shaya the Beouf. Mais tu peux juste m'appeler Shia pour les intimes. Qu'est-ce qui se passe? Je suis désolé, c'est le casque. Je sais, il peut être intimidant. Le mec est à peine modeste. Ah voilà, la première fin, c'est quand j'ai fait ta moto est stupide et je déteste ta face stupide. Je suis le vrai maître du mème. Et du coup il m'a pété la gueule. Là je vais faire l'inverse. C'est vraiment cool, j'adore l'odeur de la truc et aussi ta tête. Quels sont tes rêves? Moi, je m'en fous de mes rêves. Je sais qu'ils ne s'accompliront jamais. Ah, du coup est-ce qu'on va avoir droit à un do it? Tu es con. Tu ne peux pas laisser tes rêves rester des rêves. Je t'ai sauvé de temps en temps en te transportant dans les enfers. C'est ici que tu t'arrêteras de toute façon. Tu es un ignoreur de rêves. Game over. Shia dumped you in hell. Ah ouais, en gros, j'ai perdu. Il m'a emmené en enfer et je vais ignorer mes rêves. Je crois que je peux revenir en arrière. Comme ça, voilà. Je rêve de toutes sortes de choses. Tout ce que je veux, c'est suivre mes rêves. Like. Do it! C'est excellent, je suis content, ça. Hier, tu ne pensais pas comme ça. And say tomorrow. A lot of people do that for some reason. Yesterday, you said tomorrow. Je sens que j'avais beaucoup de petits extraits. Ok, ça recommence. On va faire... Ouais, mais on devrait être en classe. Tu ouvres ton sac et tu sors tes devoirs le temps que ton professeur arrive. Shaya. Oh, merde, il y avait des devoirs. J'ai complètement oublié. Je suis tellement stupide. Est-ce que je peux copier tes devoirs juste pour aujourd'hui? Allez, pourquoi pas. Bon, en gros, donc la professeure, elle a félicité Shaya pour sa préparation. Elle m'a insulté parce que... je l'ai copié. Et là il m'attend parce qu'il déteste aller manger seul. Ok, le seul moyen pour lui de manger proprement c'est de manger dans les bois. Eh hey, Shaya, t'es bizarre en fait. Donc en gros il nous a amené dans les bois avant qu'on réalise. Du coup on a pris notre téléphone pour aller prendre une photo. On vient de se rendre compte qu'on n'a pas de réseau. Et à Shaya il nous remercie. Et il a dit désolé j'avais pas d'autre casque mais t'inquiète pas t'es mignon sans cheveux. Tes cheveux sont mignons comme ça, t'es mignon sans cheveux. Je suis désolé même master mais tu es mon déjeuner. Je suis un cannibale actuel. Je suis désolé pour ce... est-ce que tu es à suivre cette route? On va essayer de se battre. T'as mangé et il a mangé et il est retourné à l'école sans toi. Je vais essayer de raisonner Shia. Il n'y a aucun espoir. C'est l'un des meilleurs escrimeurs du monde. Il vous a mangé pour le lunch et il est retourné à l'école sans vous. Tac tac tac. On va essayer de courir. Tu vas essayer de courir. Désespéré pour essayer d'échapper à... et c'est dur, tu mets un cigare en parlant. Désespéré d'échapper à Shia et de ses futures affamés. Sans hésitation, tu cours à l'intérieur. Tu montes les escaliers et tu trouves une cabine déverrouillée. Et tu réalises avec horreur que c'est la maison de Shaya. Il y a un ordinateur devant toi. Tu vas essayer de l'utiliser. J'ai essayé d'accéder au dossier des mèmes, mais le dossier est crypté. Ce mec prend vraiment ses mèmes très au sérieux. Et je vais nettoyer les escaliers. Qu'est-ce que c'est que ça? Quelqu'un a utilisé mon ordinateur! Shaya commence à pleurer. Tu sais que c'est ta seule chance. On attaque! Tu sautes sur Shaya pendant qu'il a le dos tourné. Tu te bats pour le couteau que tu arrives à attraper de ses mains et tu le plantes dans son cœur. Tu as tué Hollywood Superstar Shaya the Beouf. Vraie fin, 10 sur 10.
Eh bien écoutez les amis, je pense que c'est sur cette magnifique fin où on prend le rôle de Meme Master que l'on va se quitter. C'était une très courte mais néanmoins très intense vidéo où j'ai pu vous faire voir mon petit jeu d'acteur sur Shia La Game. Un petit jeu ND ma foi très sympa trouvé sur... J'ai oublié le site. Bon, arrête avec ça, tout le monde a crié que c'est un faux bordel. Un faux très bien fait par contre. Les amis, vous pouvez aimer la vidéo si elle vous a plu, vous pouvez la partager, vous pouvez me suivre sur Facebook, sur Instagram, non, sur Facebook, sur Twitter, sur Snapchat, tous les liens sont dans la description, et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, c'était Powerline 342 qui vous dit... Do it! Just do it! Do it! Bonsoir les amis, je me présente, je m'appelle Kit, vous avez déjà dû me voir dans la série Knight Rider. Je suis ici pour vous parler de Powerline 342. Ma base de données indique quelqu'un de drôle, d'amusant et de très doué dans ce qu'il fait. Aussi, je vous conseille de vous abonner à sa chaîne. Personnellement, je vais voir ses vidéos tous les jours lorsque je n'ai rien à faire. D'ailleurs, excusez-moi, on a besoin de moi. Powerline, embarque! Allons sauver le monde!